18h, presque tout pile. Oh là là. Allez. Il m'a fait peur. Il est chaud pour le PSG, apparemment. C'est une grande soirée de foot. Erwan est chaud, évidemment, aujourd'hui. C'est cinglé, le mec. On parlera un petit peu basket dans cette émission, quand même. Je sentais que vous n'étiez pas complètement dedans. Je voulais mettre Roby, je pensais être discipliné cette semaine. Si l'os, il a envie de tout foirer, ben on y va, alors très bien. Foutons-toi. Vas-y, on y va, alors. Alors, le 11 du PSG, du coup. Erwan Abotret est à mes côtés. Thomas Dufort est à mes côtés. La First Team, on est ensemble pendant une heure pour parler NBA. C'est clutch tous les mercredis, 18 à 19, même les jours de quart de finale de Champions League du PSG, un jour à part évidemment. T'es chaud Erwan du coup, allez Paris? Bon, toujours des belles soirées d'Europe comme ça. Non, pas aller Paris, tu sais très bien que je vais pas dire aller Paris, mais je vais regarder... Tu vas pas dire aller Barcelone quand même. Je vais pas dire non plus aller Barcelone. Allez football. Je vais regarder ce match, je vais regarder ce match avec grand intérêt. Voilà une belle semaine européenne. Hier soir, on a eu une super soirée européenne de foot et de basket parce qu'il y avait cette finale d'Eurocup. Et puis ce soir pareil, jeudi, il y a l'OM en Europa League. Voilà, tout va bien. Très bien. Il est de bonne humeur. Thomas ? Ouais, moi aussi, je suis de bonne humeur, comme Erwan. Il fait beau, il c'est les vacances en plus à Paris. Donc là, on scoute, on a mis, je passe 7 minutes au lieu de 35. Donc non, tout va bien. Et puis ensuite, je vais rentrer, mettre mon meilleur slip du PSG et commencer à stresser un petit peu torse nu. Je regarde tous les matchs du PSG torse nu, ce qui compte en tout cas. Slip du PSG, c'est quoi, jaune devant, marron derrière? C'est exactement celui de Thiago Silva. En main propre. Une émission sous le signe de la classe, évidemment. Le PSG sous ce soir, la NBA également, comme tous les soirs. Regardez un petit peu le programme du jour. Ce dont on va parler pendant une heure dans Clutch aujourd'hui. On va parler de l'inquiétude de la semaine ou de la nuit dernière d'ailleurs. Yanis Antetokounmpo s'est blessé. Mon Dieu, alerte sur Milwaukee. On a quelques infos. On vous les donnera tout à l'heure pour savoir ce que ça veut dire pour ces Bucks. On parlera ensuite du duel très sympa qu'on a eu entre Lakers et Warriors hier soir qui a tourné à l'avantage des Warriors. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, ce play-in qui se profile la semaine prochaine? Et oui, c'est déjà la dernière semaine de saison régulière. Dans le big game, on va se poser la question de savoir qui sera premier à l'Ouest ce soir. Pourquoi? Parce que Denver et Minnesota s'affrontent. Ok, si je joue contre San Antonio, on pourra en savoir plus après cette soirée sur cette première place à l'Ouest. Dans le JDE, dernier jour de saison régulière. Bah oui. Semaine prochaine, c'est parti, c'est le play-in et les play-offs ensuite. Dernier jour de saison régulière, Erwan a plutôt bien utilisé sa wildcard. Ouais, pas mal. Je suis pas mécontent. Il m'a repassé devant. Ouais. En attendant qu'on utilise la nôtre. Tout à fait, ce soir en général, de préférence. Toi aussi? Ah, je comptais mettre la wildcard ce soir aussi. Ah bah oui, je vais je vous mettre les deux. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus intelligent de le faire ce soir où il y a plus un match que la semaine prochaine. Il y a deux matchs, hein, la semaine prochaine. Voilà. Le prochain pour le plus dur de faire des gros scores. Oui. C'est bien, il a réfléchi lui aussi, ça me rassure. La question freebet du jour pour vous faire gagner 5 freebet à 10 euros, c'est Tom qui vous la pose et je vous annonce que j'ai pas eu tout la réponse. Ah, alors, avec quelle équipe Doc Rivers, coach donc des Sixers, a-t-il été All-Star? Parce que je vous rappelle que c'était un super joueur de basket avant d'être un coach champion. Ça mérite un commande, ça, vraiment? De ne pas savoir avec qui Doc Rivers a été All-Star en tant que joueur. Parce que tu devrais avoir une intuition directe. J'ai de haute expectation avec toi. Ça me touche, mais du coup. Bon, sur la bourse, sur des quiz et tout, t'es l'un des rares avec qui on peut se mettre des vrais pelés sur les quiz NBA. Ben, je suis un peu aussi, je suis très déçu, Rémi. Disons que ta première intuition de Doc Rivers joueur, c'est la bonne. Si tu veux savoir où il était. Pas de méga surprise, en gros, c'est ça. Voilà, exactement. C'est pas une question, je n'étais pas persuadé. C'est pas une André Iguodala, tu vois, qui a été avec Denver et qui a fait d'autres trucs avant et après. C'est vrai. Donc voilà, on tirera en cours d'émission. Au sort, les 5 freebets gagnants, vous répondez sur la homepage de Wina, comme d'habitude. Bon, on se lance, les amis, on parle de Yanis, c'est dans la story. Premier thème du jour, on se retrouve donc à parler de ces Milwaukee Bucks et pas pour la plus belle des raisons. Alors déjà, on parlait des résultats compliqués ces derniers temps. Cette fois, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. Match entre Milwaukee et Boston, match au sommet entre deux des meilleures équipes théoriquement de la conférence S. Vous avez le résultat final ici. Milwaukee s'est imposé face à une équipe de Boston qui a pris le match assez légèrement de toute façon. Mais le vrai drame dont on va se parler, c'est ce qui s'est passé à la fin du troisième quart-temps quand soudainement, sur une remise en jeu, Yanis s'est assis, s'est tenu le mollet et là, on s'est tous mis à paniquer. Mais il s'est fait le tendon d'Achille. Le premier Thanasis qui est venu en pleurant, le chercher. Qui est venu le chercher, évidemment. Il a ramené le vestiaire, tout ça et tout. Ça prouve vraiment qu'il a multi-casquette, ce garçon. Oui, il fait vraiment plein de joueurs, cheerleaders, infirmiers, brancardiers. Il a du talent. Ouais. Il a du talent. C'est Jarod, en fait, le mec. Porte caméléon. Excellent trêve de boomer, encore une fois, on est bien parti. Ne repartons pas après l'excellente émission la semaine dernière. J'ai reçu un nombre de textos fantastique. Ah oui, on avait parlé spécialement d'American Pie. Bref, restons sur Yanis. Yanis s'est donc blessé, ça a mis tout le monde en panique, les amis. Et on a eu des nouvelles quand même dans la journée qui sont plutôt rassurantes, matinée aux États-Unis. Non, ce n'est pas le tendon d'Achille. C'est déjà une excellente nouvelle pour Yanis Antetokounmpo qui va donc pas rater un an de compétition. Et pour les Bucks. On touche du bois. Et pour les Bucks, évidemment. Mais il est quand même touché d'une contracture. On n'en sait pas vraiment plus. Tom, qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, écoute, c'est un mauvais signal, hein, à 3 jours de la fin de la saison régulière, à 1 semaine, à 10 jours du début des playoffs, avec tout ce qui s'est passé dans cette drôle de saison des Milwaukee Bucks. Finir là-dessus, c'est quand même hyper étonnant. Lui qui, habituellement, a peu de problèmes musculaires, parce que là, ouais, on parle d'une contracture. Déjà ça, on peut imaginer qu'il revienne d'ici 2 ou 3 semaines. Voilà. Pour tous les fans des Bucks, Giannis devrait jouer le premier tour des playoffs. C'est la bonne nouvelle. Mais encore une fois, c'est en mettre en perspective avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps et au moment le plus important de la saison où tu es en recherche, mais à fond de certaines certitudes, et que tu arrives à faire un gros match contre les Celtics, parce qu'ils ont fait un gros match, ces joueurs des Bucks, et ben lui, il se pète. Écoute, c'est une drôle de saison. Et une blessure, ouais, qui, j'espère, qui n'aura pas de conséquences pour eux. Sinon, ben, les espoirs de titre seront finis. C'est toujours curieux quand les mecs se pètent tout seuls. Il y a toujours beaucoup plus d'inquiétude. Parce que ça, sur un coup, sur même une cheville qui se tord, sur un contact, bon, on peut à peu près savoir. Là, quand il est tout seul, il trottine, tac. Donc ça, t'as raison, en général, c'est le tendon d'Achille, ça ne l'est pas, mais ça reste malgré tout inquiétant. C'est pas anodin que ça arrive, quand quelque chose arrive comme ça tout seul, c'est que quelque part, il a dû tirer un petit peu dessus. Maintenant, j'ai l'impression que pour être champion, pour aller loin, on le dit souvent, il faut bien jouer, il faut avoir des certitudes, il faut aussi que les planètes s'alignent. Voilà, les planètes, frérot, c'est la dentition de Franck Ribéry. Hein. Elles y sont pas. Non, mais ça marche pas. Non, mais ça marche pas du tout. Il a rien demandé, Francky, le pauvre. Francky est tranquille devant Clutch, il est là, il adore la NBA. Paf! Francky, La famille, la famille. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a rien qui match. Il y a rien qui match. Un coach arrivé en début d'année, ça match pas. On le sort, il y a un nouveau coach qui arrive, Doc Rivers, ça match pas. Damien Lillard qui arrive, ça n'a pas l'impression que ça match. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui tente ou tout ce qui doit marcher ne marche pas cette année pour les Bucks. Rien n'est fait. On va voir est-ce qu'il va revenir avant les playoffs ou pas. Est-ce qu'il va revenir en cours de playoffs. Mais déjà, on commence à rentrer dans des questionnements, dans des inquiétudes qui sont jamais bons signes. On les a connus. Combien de fois on a connu des mecs? Il va peut-être revenir. Il va peut-être rater le début du premier tour et il reviendra peut-être début deuxième. Ça, c'est jamais bon. Sachant que Giannis l'année dernière est blessé lors de la défaite contre Miami. Enfin, il revient encore de série alors qu'ils étaient en galère et que l'année du titre, vous souvenez, il se fait un truc au genou. On pense que c'est out. C'est qu'il est fini et tout et qu'il arrive à revenir quelques matchs après, et il arrive à faire ce run exceptionnel d'un point de vue individuel. C'est vrai, t'as raison, c'est bien de se rappeler ça aussi. Est-ce qu'on a vu les stats de Giannis d'ailleurs en Antetokounmpo? On peut rappeler quand même l'impact qu'il a, évidemment, qui n'est plus à démontrer pour ses Bucks, absolument phénoménal, surtout dans une saison comme cette année où ça se passe assez mal pour Milwaukee. Du coup, on peut peut-être embrayer. Alors oui, on ne sait pas pour l'instant si Giannis sera là ou pas. Il semblerait qu'il soit là quand même pour le début des playoffs. Si c'est le cas, peut-être en limitation de minutes, on verra, pour un premier tour qui peut ne pas être simple. Hein, si jamais ça devait être Philadelphie ou Miami qui sortait du play-in, ça peut être compliqué à surveiller quand même. On voulait vous poser la question dans Clutch aujourd'hui, même si on est tous d'accord qu'ils ne sont pas favoris, savoir combien d'entre vous, dans le chat, croient réellement aux chances de titre de Milwaukee cette année. Donc vous me dites oui ou vous me dites non. Je ne vous demande pas s'ils vont être champions à 100%. Est-ce qu'il y en a qui ont un petit doute, qui disent tiens, pourquoi pas sur un petit chemin un peu, j'en sais rien, un peu étroit, ils peuvent passer à être champions? Alors, moi, je fais partie de ces, et je le dis depuis des mois, Thomas ne me rejoint pas forcément là-dessus, mais moi je crois que leur vécu, le fait qu'ils soient champions, la dureté qu'ils sont capables d'amener par moment, parce que je ne crois pas que s'ils sont champions, ils gagneront sur le basket, sur le beau basket et le jeu collectif, le passing game. Je pense que s'ils gagnent, c'est qu'à un moment donné, ils ont décidé de se mettre en mode 300 le film et de jouer, de retrouver une défense, un périmètre, de mettre une dureté où je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'effectifs dans la ligue qui peuvent lutter avec ça. Mais ça, c'est une utopie. Ça peut arriver, je crois que c'est le seul moyen. Et moi, je crois de moins en moins, mais il y a encore une petite part de moi qui a envie de croire en ces Bucks-là, qui se mettent en mode soldat, en mode dureté, et que derrière, à chaque fois que tu... Parce que pour moi, il faut qu'ils jouent dur, qu'ils défendent très très fort, et que chaque fois que tu les amènes dans un money time, par contre, avec Giannis, surtout Middleton et Lillard, ben, je pense que jouer des money time contre eux, c'est quand même le pire truc à faire. Mais bon, ça reste une pièce en l'air. Qui est Leonidas dans ton histoire là? Parce qu'il est parti à Boston, hein. Le mec qui est censé haranguer ses gars, c'est Giannis. Être la pointe. Bah non, malheureusement non, le basket, c'est pas des grands qui défendent et des petits qui défendent pas. La seule chance dans laquelle je pourrais te rejoindre, la seule voie dans laquelle je pourrais te rejoindre, c'est si Pat Beverley est installé dans le 5, il a été dans le 5 majeur. Mmh. Et incroyable d'ailleurs. Il a été exceptionnel. Ouais. 20 points du rebond. Il a joué tous ses match-up avec Cornette. Il a démoli. Enfin, il était magnifique. Il a fait des gestes, des trucs. Si ce gars-là arrive à faire un run de play-off, allez, j'ai envie de te dire,
historique. Donc, défensivement incroyable. Être à la pointe, décharger Lillard de ce truc-là. Enfin, tu vois, tu te rends compte de ce que je veux dire. Ton scénario, il est basé sur Pat Beverly, quand même. Mais leur scénario à eux, pas le mien. Leur scénario. Parce qu'on a parlé de jouer dur, d'être costaud, d'être des soldats et tout. C'est pas avec Malik Beasley et c'est pas avec Damien Lillard que tu peux jouer comme ça, malheureusement. C'est Bobby Portis, c'est Brook Lopez. Mais c'est que des mecs derrière. Tu parles que des mecs derrière, mais d'abord, il faut protéger avant. Sur les premières lignes, Pat Beverly. Ouais, mais donc on en revient à ça. Donc ta confiance, disons que le seul chemin dans lequel ils vont c'est magnifique. On est dans les rêves de films, c'est comme dans Avengers quand il dit on a une chance sur un million de réussir. Et comment il s'appelle ce qui fait ça là ? C'est Doctor Strange. Voilà, Doctor Strange. Ah ben là, c'est un peu pareil. Voilà. Oui, regarde Paul Astéide, il fait ça là. Je vois des voix. Ah, j'en vois une. Bah, bon courage à eux pour la trouver. Elle existe, la voix. Hein. Sur un million de matchs, il n'y a qu'une seule voix pour y aller. Et ça ne dépend pas de Beverly. Bah, bravo, gros. Hein. Bon courage. Et alors, vous êtes marrant tous dans le chat. C'est marrant. Il y a toujours des balles perdues pour Doc Rivers en ce moment. Doc Rivers qui perd contre Philly au premier tour. J'ai hâte. C'est vrai que c'est incroyable. C'est terrible, mais c'est un scénario qui n'est pas totalement impossible à envisager en plus. Hein. C'est clair. Surtout que Philly, j'ai l'impression que le retour d'Embiid, même quand il ne joue pas, mais qu'ils savent qu'il est de retour, je parle du match face à San Antonio, ça les a libérés. Ils vont garder leur ambition de départ, j'ai l'impression. Et en même temps, ils sont enlevés d'une pression parce qu'ils vont sortir certainement du pays ou juste accrocher la sixième place. Et que finalement, avec la blessure d'Embiid, ils ne vont pas avoir la pression d'un vrai prétendant ou d'un outsider plus plus. Ouais. En tout cas, je le sens comme ça dans le jeu. Je les trouve libérés. Hier, le match face à Détroit, alors certes, c'est Détroit, où Evan a mis 21 points d'ailleurs. Meilleur score de la saison. Mais je sens qu'il y a un passing game, il y a une envie de jouer ensemble. Et ça leur a remis une espèce de baume au cœur au meilleur des moments. Donc, en tout cas, Milwaukee, Philly. Ouais, mais ce qui est embêtant, tu vois, c'est que la blessure, elle vient après une série de défaites et des gros doutes. Tu vois, quand on a mis des gros doutes dans le titre, c'était pas des gros doutes sur la blessure, c'est des gros doutes pour Milwaukee. On a quand même parlé, enfin, les gens ont parlé d'une série de défaites faites exprès pour éviter la deuxième place. T'es Milwaukee Bucks, t'es favori en début de saison, t'es deuxième et très loin du premier, t'as deux doigts de te faire attraper par le troisième, le message aurait été terrible. D'après moi, s'ils ne finissent pas deuxième, c'est une catastrophe pour l'équipe qui a été construite et qui doit être un contender crédible. Moi, je crois pas à ces calculs. Quand c'est autant tumultueux pendant ta saison avec des changements de coach, avec des résultats moyens, des intégrations aussi un petit collectives, parce que Lillard, il est dans le 5 majeur du All-Star Game, mais collectivement, on s'est jamais dit « Ah, ok, ça clique ». Il y a eu quelques petits bribes de match où il y a eu du one-two-man game, et c'est on n'a pas été convaincu par ça. Et tu en arrives à ce moment-là de la saison avec plein de doutes, et en plus, tu vas calculer de perdre. Pour moi, s'ils ont fait ça, c'est vraiment des fous. Hein. Ah, je pense pas, je suis pas d'accord avec cette idée de calcul. En attendant, il y a des choses à réfléchir peut-être, parce que les équipes, tiens, d'ailleurs, vous savez, quasiment tout le monde a joué hier soir, hein, il y avait 14 matchs. Cleveland n'a pas joué, je sais plus qui était l'autre équipe qui a pas joué. Bref, peu importe. Et donc, il y en a plein qui repartent évidemment en back-to-back ce soir, dont justement les Bucks de Milwaukee qui jouent ce soir. Contre Orlando, alors pas simple parce qu'en plus c'est un adversaire presque direct hein, dans ce classement. Oui. Orlando est quatrième aujourd'hui, peut encore théoriquement repasser devant. Ils ont perdu hier, elle aura fait mal celle-là. Clairement. Donc, les Knicks qui gagnent en plus. Du coup, je voulais vous afficher les cotes de cette rencontre de ce soir, sans Giannis Antetokounmpo évidemment. Me dire un petit peu déjà sur le scoreboard ce que vous en pensez. La première info, c'est qu'ils ne sont pas favoris à domicile. La première info, c'est ça, tu vois, de but en blanc. Donc, du coup, moi, ça m'intéresse encore plus. Je pense que si Giannis avait joué, il serait largement favori. Mais là, 1,94 à domicile, c'est pas parce qu'il n'y a pas Giannis que tu ne peux pas faire un énorme match. Dans ce que disait Erwan, hein, c'est intéressant. Hier, Brook Lopez est très bon. De l'adresse, de l'impact. Bobby Portis, OK. Chris Middleton enchaîne les matchs. Je revois des actions. Il ne sera plus jamais ce qu'il était en 2021, mais un gars qui peut avoir de l'impact. Et puis, il y a Damien Lillard. Donc, Damien Lillard est capable de mettre 35. J'ai la sensation. Comme ça que c'est une bonne cote, les 1,94, et que moi, je serais capable d'aller... Enfin, je vais même aller dessus à fond. Moi, je te rejoins sur la cote 1,94. Je pense que cette équipe, mine de rien, elle a du cœur, elle a de la profondeur, elle a de l'expérience. Orlando, je ne vais pas dire qu'ils finissent sur la jante, mais la défaite d'hier a montré qu'ils sont peut-être un petit peu fatigués avant d'entamer la post-season. Je crois beaucoup à la réaction d'Orga et au message aussi, peut-être, qu'on voulait envoyer les Bucks en disant « Ok, Giannis est blessé, mais on reste une équipe sérieuse ». Donc ce soir, ils ont tout intérêt à le faire et j'aime bien la cote. Donc avec le storytelling que je viens de vous dire, plus la cote, je vais à fond là-dessus sur les Milwaukee Bucks. Ouais, je suis d'accord avec vos raisonnements. Vous avez le bilan de ces Bucks là, dernièrement, de victoires sur les 7 derniers. C'est vrai que c'est pas glorieux. Hein, ça, on l'a bien compris de toute façon depuis un petit moment. Si on reste un petit peu dans les cotes, les gars, du coup, pour le match de ce soir, et avec
l'absence de Yanis, il y a peut-être des trucs à aller chercher. Tom, tu nous parlais de Damien Lillard. Ouais. Vous savez que j'aime bien vous proposer au scoring ou sur d'autres stats, d'ailleurs, des over-under en ce moment. Son over-under, hop, si j'arrive à vous l'afficher, si je ne fais pas n'importe quoi. Non, il ne veut pas là. Hop, attendez, je vais y arriver. Le over-under de Damien Lillard est à 26,5. Donc, c'est-à-dire 26 points et demi, plus ou moins, cote à 1,76 d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas m'afficher mon over-under des deux côtés. Peu importe. 1,76 Damien Lillard pour 26 points et demi. Au-dessus ou en dessous ? Comme ça, je dirais au-dessus. Après, il y a quand même. Ouais, mais en face, le problème, c'est que c'est une grosse défense et que Jalen Suggs fait partie des meilleurs défenseurs de cette saison. Que. Allez, je dirais au-dessus à 60-40. Vraiment, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple, mais dans l'idée de faire un gros match, ils ont besoin de lui au scoring. J'irai au-dessus. J'ai moins de doutes que toi. Moi, je vais au-dessus. Ah, parce qu'il y a une bonne équipe en face en défense. Ouais, mais c'est vrai que c'est une des meilleures. En fait, Orlando cette année, juste pour faire une petite parenthèse, comme c'est Orlando, comme c'est la Floride, que les maillots sont bleus, que c'est un peu joli, on a l'impression que c'est toujours un peu la Floride. On a toujours cette idée de Dwight Howard à l'époque. Hey, cette année, Orlando, c'est une des équipes les plus dures de NBA. Ouais, c'est une énorme défense. Donc, c'est vrai que faut faire attention à ça. Mais moi, quand même, Lillard, avec l'absence d'Antetokounmpo, j'y vais over. Over pour Erwan. Et alors, de l'autre côté, vous me parlez d'Orlando. Paolo Banchero, est-ce que tu pourrais me regarder les stats, s'il te plaît, Tom, de dernièrement, là, de Paolo Banchero? Il me semble qu'il a enchaîné des cartons. Je vais vous les trouver, sinon. Son over-under, à lui, regardez, je vous l'affiche, il a 23,5 pour Paolo Banchero. Sans Yanis en face pour le défendre, a priori, bon, il y a d'autres mecs. Hein. Je me demande si là, pour le coup, le over, il serait pas intéressant. Bah, écoute, 21, 24, 32, 32, les quatre derniers matchs. Très bon pic à prendre. Ouais. Après, sur le rebond, il y a moyen qu'avec ces grands arbres là-bas. Là, c'est que les points. C'est que les points là, pardon. C'est que les points. 23. Écoute, hein, pour eux, c'est victoire impérative. Donc, ouais, j'ai envie de voir une star qui assume son statut et qui met au moins ses 25 points. Donc, ouais, j'ai envie d'aller aussi à over. Voilà, les deux. J'ai l'impression, de manière générale, que sur cette fin de saison, il y a beaucoup de mecs comme ça qui performent. Je sais pas, avec tous les mecs qui sont blessés, les mecs qui sont laissés au repos, les mecs qui sont. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de over qui passent au scoring. Il y a eu des grosses nuits, en tout cas. T'as raison, il y a des grosses nuits. Bon, c'est celle de la semaine dernière qui était exceptionnelle, ou il y a deux semaines maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gros scoring, il y a beaucoup de gros scores. Bah. Et Anthony Edwards a battu son record. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça, ouais. Donc il y a des trucs qui attendaient. Over, under là-dessus, toi? Moi, j'irai plus sur under. Je sais que j'aime beaucoup Banchero, mais des fois, c'est un peu irrégulier. Je m'entends, hein, il ne fait jamais des matchs en carton, mais il est capable de faire 17, 18, 19. Donc je ne vais pas y aller là-dessus. Ok. Il se lévite, Erwan. Moi, j'irai sur le over, en tout cas pour Paolo. Banchero, voilà, ça c'est pour le Milwaukee-Orlando de ce soir. Et on vous a donné un peu les dernières infos. Je vous rappelle, Yanis Antetokounmpo, contracture au mollet, absent, on ne sait pas combien de temps, une semaine, 10 jours, 15 jours. Est-ce qu'il sera là pour le début des playoffs? A priori, oui. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. On va parler d'un autre sujet maintenant. On va passer à l'Ouest et on va parler de ce qui se passe entre Lakers et Warriors. C'est dans la main chaude. Deuxième thème du jour dans Clutch, on s'intéresse donc à ce play-in à l'Ouest qui arrive la semaine prochaine. Deux adversaires qui pourraient se retrouver dans ce play-in, les Lakers et les Warriors. Steph Curry face à LeBron James, mon Dieu, c'était l'affiche d'hier soir qui a souri aux Warriors. Un match un peu foufou, regardez le box-score de cette rencontre où les Warriors se sont donc imposés et où surtout ont tapé un record avec 26 paniers à 3 points, 63% de réussite. Festival d'adresse sur ce match. Erwan, il s'est passé quoi là? Ils avaient quoi tous? Draymond Green 5 sur 5, c'est quoi cette histoire? Ils se sont rappelés leurs vieux amours. Hein. Je vous invite à aller voir le match 7 des finales 2016. La première mi-temps seulement. La première mi-temps de Draymond Green, il met 5 ou 6 paniers à 3 points. Ouais. Donc bon, ça a été un moment de grâce pour lui d'adresse. Hier soir, il a retrouvé un petit peu ce moment de grâce-là. Et puis surtout, le collectif des Warriors doit être souvent validé par l'adresse à 3 points. Et quand il commence les matchs où ça tombe dedans comme ça, eh ben derrière, ils deviennent incandescents et c'est très, très dur à défendre pour une équipe qui, en plus, n'a plus, même s'ils ont récupéré Gabe Vincent, c'est une équipe qui, sur les défenseurs extérieurs, souffre un petit peu. Eh ben là, hier soir, ben, quand ça se passe la balle comme ça, que ça sort des écrans, ben, tu ramasses. Et puis voilà, quand une équipe est en feu, très, très compliqué d'aller les chercher. Hier soir, les Lakers ont juste fait des remises en jeu comme ça. Ouais, ouais. Le record, ce n'est pas les 26 3 points, c'est les 63%. Aucune équipe dans l'histoire de la NBA n'avait réussi à être à 63% à 3 points en en mettant 26. Il y a eu d'ailleurs deux records qui sont tombés hier. Vous avez vu les Celtics hier, c'est la première équipe de l'histoire qui n'a pas tiré un lancer franc dans un match. Incroyable. Bon, bref, drôle de signal pour la suite, mais bon, ça n'a rien à voir. Écoute, c'est un bon match. C'est quand même les matchs sur TNT, Télé Nationale, t'attends que ça. Bon, il n'y a pas Anthony Davis.
Et quand c'est pas Anthony Davis, ça, ça change absolument toute tout. Toute la lecture change. Ouais. Mais voilà. Donc, écoute, félicitations aux Warriors. Ils ont joué un beau match de basket. Ils ont remis des choses. Klay Thompson est revenu dans le 5. Il est réinstallé là-dedans. À voir Kuminga, il y a quand même 2-3 questions. Revenir, pas revenir. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on pourrait se poser. Mais hier, en tout cas, à l'approche du play-in et avec les 9-10, hein, qui devraient donc être Warriors et Lakers, eh bien, on a eu des prémices de. Du match de la semaine prochaine. En fait, c'est ça qui m'intéresse. J'ai du mal à croire qu'ils mettent 23 points, par contre. Ouais, ce ne sera peut-être pas tous les, cas, tous les jours le cas, comme ça, c'est sûr. Alors, Tom vous a lâché un truc, et c'est vrai qu'on pourrait se diriger vers ça. On peut regarder d'ailleurs ce play-in à l'Ouest que ça donne pour l'instant. La situation, alors elle n'est pas figée, évidemment. Il reste 2 ou 3 matchs selon les équipes. 2 pour les Lakers, 3 pour les Warriors, 3 pour les Kings également. Tout ça, ça peut bouger. Phoenix peut encore théoriquement finir 10e, par exemple, même si ça semble assez improbable. On se dirige quand même, a priori, vers un Lakers-Warriors qui serait phénoménal sur un premier match. C'est la troisième fois. À la mort. Ouais, c'est la troisième fois. Incroyable, il se joue à chaque fois. Steph Curry contre LeBron, toujours pour décider, bah, même pas d'une place en play-off, parce que là, ce serait juste pour se décider de qui survit, en fait. Oui, un match exactement, c'est vraiment un match pour la vie à la mort. Donc, terrible vraiment pour ces deux équipes. Et du coup, dans l'hypothèse où on aurait droit à ce duel absolument fou la semaine prochaine, et bah, vous allez nous dire dans le chat, est-ce que Golden State bat les Lakers au play-in? Oui ou non. Attention, avec le match d'hier soir, il s'est passé un truc important, c'est que les Warriors ont récupéré le tie-breaker sur les Lakers avec cette victoire. Du coup, si tant est que les résultats sont à peu près logiques d'ici la fin de saison, ce qui n'est pas garanti, les Warriors seront 9, les Lakers 10. Tom, ça change tout. Ce serait une désillusion terrible au vu de la saison des Lakers. Franchement, de finir 10e alors que les Warriors étaient à la traînasse il y a encore 2 semaines avec les Rockets qui revenaient, ce serait catastrophique de finir 10e. Ce serait la réalité de cette saison avec quand même des bilans à 45, 44, 45 victoires et finir 9e et 10e, c'est quand même le fameux Far West, il revient là. Écoute, tout va dépendre de la présence ou non d'Anthony Davis. Je vous le dis comme ça direct, parce que c'est tellement le socle, c'est tellement leur meilleur joueur cette saison des deux côtés du terrain, c'est tellement la fiabilité, l'assurance tout risque. Jusque-là, cette saison, il avait manqué que 4 matchs. Ouais. Bon, a priori, il n'y a pas de raison objective pour qu'il ne soit pas là. Il a pris une migraine, il a pris un coup, migraine, tout ça. On sait que les commotions, maintenant, on a vu des mecs ne pas jouer. Mais dans, donc, tout change là-dedans. Après, c'est deux équipes expérimentées, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je dis toujours que quand il y a LeBron et Anthony Davis dans une équipe et qu'ils sont à 100%, sur un seul match, ils ne peuvent pas perdre. On l'a vu au In-Season Tournament. On l'a vu déjà aussi lors des différents play-in. Je ne vais pas changer mon avis là-dessus. Clairement, je pense que s'il y a un match entre les deux, les Lakers gagneraient. Okay. Surtout si c'est à Crypto.com Arena, encore plus. Moi, je vois deux équipes assez proches. Alors, pas dans les profils, mais dans les saisons, dans les difficultés, dans les qualités qu'elles peuvent avoir. Elles ont des certitudes sur certains secteurs de jeu. Elles ont des incertitudes sur d'autres, importantes aussi. Moi, je vois un match comme il y a souvent eu dans les play-in, notamment la fois où ils gagnent avec le doigt dans l'œil là, de LeBron qui voit soi-disant en 3 cercles, il choisit celui du milieu sur le panier à 3 points. Moi, histoires, je fais une parenthèse là, mais parce que ces histoires, moi, elles me régalent. On en parle beaucoup avec les gars de la Redac NBA Extra. Tu sais, toutes les vidéos qui tournent sur LeBron qui ment ouvertement dans plein d'interviews sur les bouquins qu'il lit, les films qu'il a vus. Cette histoire-là, elle est géniale. C'est une des narratives qui me régale le plus en NBA. Il y en a qui croient. Moi, je débat avec des potes sur LeBron parce que j'ai des. Le mec me dit, mais attends, LeBron, il a quand même mis un panier, il voyait triple. Je fais, oui, mais bien sûr, ouais. Non, mais c'est LeBron et il ment ouvertement sur des trucs. Il arrive toujours avec son livre qu'il lit pour la première page, pour la 8e fois. Et à l'envers, de préférence. C'est génial. LeBron, le mentor, c'est l'un des arcs narratifs préférés de Mike Bier. Et ça dure depuis longtemps. Pardon, je referme la parenthèse. Et donc, moi, je vois vraiment un match qui va se jouer dans les dernières minutes avec qui jouera le plus juste. Alors, j'inventerai en disant ça, mais entre le bon choix de Steph Curry, le bon choix de LeBron James, alors je pars du principe que tout le monde sera là, mais voilà, pour moi, ça va se jouer sur 2-3 dernières possessions. C'est comme ça que je vois ces deux équipes finalement qui se connaissent finalement vraiment par cœur, deux superstars qui se connaissent encore plus par cœur, et pour moi, je vois deux équipes qui, t'as raison, vont jouer leur survie, ça va être un super match à suivre, mais moi, je vois pas une équipe, l'une ou l'autre, gagner de 15 ou de 20 et s'assurer une fin de match tranquille. Je vois vraiment une fin de match au couteau, et c'est d'ailleurs ce qu'on a envie de voir. Est-ce qu'on pourrait, les gars, en régie, s'il vous plaît, revoir le tableau qu'on a vu juste avant, là, sur le classement du play-in à l'ouest, là, de la course au play-in, place 7, 8, 9, 10. Merci beaucoup, les mecs, vous êtes au top. Parce que rien n'est figé, hein, je vous le répète, a priori, entre Lakers et Warriors, si tout se passe comme prévu, si les Warriors gagnent leurs 3 derniers matchs, qui est très crédible, ils passeront devant les Lakers. Mais il n'est pas impossible que Sacramento en perde un de plus, et que du coup, se retrouve aussi 10e. Et qu'on se retrouve avec Warriors 8, Lakers 9. Je veux dire, quand vous voyez un petit peu tout ce micmac qu'il y a là-dedans,
de manière très objective, pour vous, c'est qui les deux équipes les plus fortes qui méritent de sortir de là? Mais je veux te dire, les équipes, elles sont très proches. Très, très proches, surtout sur une série. Alors, d'après moi, les Suns et les Kings ont de l'avance sur les deux autres équipes parce que des saisons en dents de scie. Mais le problème est... Ouais. Mais moi, je te dis ça sur les Suns. Hier, je regarde le match contre... mais en fait, non seulement, ils n'ont rien à faire en play-in, mais je suis même pas sûr qu'ils se maintiennent en National 3. Oh, tu vois ce que... Alors, le match hier des Suns... Début de match. Question, non, question. Mais attends, mais c'est pas possible. Ils sont à domicile, les Suns. Ils sont menés 35-4. Il reste une minute. Il reste une minute. Dans le premier quart-temps. 35-4. 4 points marqués par un seul joueur. Qui est-il? Je sais même plus. Youssouf Nurkic. Ah non, je veux que vous deviniez. Il jouait pas hier. Pour le coup. Allez, je vous laisse deviner. Allez-y, je pense. Donc c'est un truc incroyable. Sur les 5, le premier nom que vous sortez, vous ne trouvez pas. Allez-y. Bol Bol. Non. Mais bon, en même temps, si vous commencez par tous les mecs du banc, vous allez peut-être gagner. Alors, qui a marqué les 4 points? Qui est le meilleur scoreur? Drew Eubanks. Oh là là. Drew Eubanks. Titulaire. Il a mis deux petits tirs. C'est le seul. Bref. Donc oui, t'as raison, c'est une catastrophe. Après, il n'empêche que c'est un autre sport. Les playoffs, le play-in, c'est un autre sport. Vraiment. Donc, les équipes sont proches, les dynamiques sont presque similaires. On pourrait dire que les Kings galèrent un petit peu plus. Mais là, on parle de sur un match, quoi. Sur un match, ça change absolument tout. Donc, full avantage, comme dirait Erwan au quotidien, parce qu'il aime bien dire full. Full avantage à l'expérience. Et l'expérience, c'est Warriors, c'est Lakers, c'est Suns et c'est Kings. D'accord. Voilà. Donc, toi, tu fais sortir Suns et Kings des quatre, là, a priori, du play-in. Bah, j'ai envie de te dire que quand même... Non, parce qu'il y en a forcément... Si là, ça reste en l'état, il y a Lakers ou Warriors qui va sortir au premier tour. Enfin, qui va sortir au 9-10. Ouais. Donc, en revanche, le vainqueur de Warriors-Lakers, j'ai l'intime sensation qu'il pourrait... Taper qu'il va le même taper le perdant du 7-8. Je comprends ce que tu veux dire. Okay. Ouais, Erwan, sur les quatre, là, Phoenix-Sacramento-Lakers-Warriors, qui sort, les deux? Thomas, il a raison, dans ces moments-là, c'est vrai que c'est l'expérience prime. Et pour le coup, Warriors-Lakers... Avec LeBron et Anthony Davis, il y a quelque chose. Moi, j'arrive pas à avoir une lecture sur les Suns. Une semaine, je me dis que c'est OK. L'autre semaine, je me dis que c'est pas OK. J'arrive à trouver une forme de stabilité, même si les Kings, s'ils sont là, c'est que la stabilité, elle n'a pas été tant... J'étais cinquième, ouais, il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas été tant que ça. Mais j'ai envie de croire une forme de stabilité côté Kings. C'est très compliqué. Moi, mais malgré tout, je vois les Kings sortir. Il y a un commentaire intéressant là, de Jordan qui nous dit « Les Kings sont en chute libre. » Non, c'est un autre, c'est Clément. « Les Kings, ils sortiront jamais. Leurs individualités sont beaucoup moins fortes que celles des Suns, Warriors et Lakers. » Et c'est vrai qu'en NBA, parfois, tu vas sur un truc hyper terre-à-terre, tu regardes qui sont les stars, et parfois, ça marche. Je vois les Kings sortir, et après, je vois entre les Warriors ou les Suns. Donc, les Kings et les Lakers, a priori, pour toi, c'est fini. Ok, ça marche. Hein. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Ce qui serait aussi terrible pour les Kings, après la troisième place de l'an passé, après une saison quand même où tu as deux joueurs très forts. On le dit souvent, depuis qu'on fait coach. Tu as un peu stagné peut-être cette année. Ouais. La deuxième année pour confirmer ton top, c'est très dur. C'est très, très dur. Bien sûr, bien sûr. Tu dis quoi, toi? Tu dis quoi? Alors, qui passe 7 et 8, là? Moi, déjà, je suis surpris de voir Phoenix à ce rang-là. Et je reste persuadé qu'en fait, Phoenix va même... enfin, j'en sais rien. Je suis persuadé de rien du tout. Très dur. Ils sont capables d'aller chercher la 6e place, hein, Phoenix. Les Pels, ils sont remis un petit peu à gagner. Ça leur fait du bien avec un grand, grand CJ McCollum et un bon Zion. Mais oui, les Pels peuvent encore rentrer dans le play-in et les Suns passer dans le... Malgré leur match minable hier. Enfin, passer, ce soir, ils jouent à Los Angeles contre les Clippers. Hein. Ouais. Bah, il n'y a pas James Harden. Je voulais vous en parler de ce match-là, puisqu'il va être intéressant, du coup, vu qu'on parlait des Suns. Je vous affiche les cotes et je suis un peu surpris. Alors oui, il n'y a pas James Harden, je l'entends. Et Nick Kawhi, qui n'était pas là hier. Alors oui, Kawhi, qui a priori, il n'a pas joué hier et sur son genou. Mais regardez la cote, quand même, qui est vraiment très, très différente. Phoenix sort quand même d'un match kata. Après, ils ont le couteau sous la gorge où il faut gagner absolument. Je sais pas, est-ce que les Clips à 2,60, c'est pas un peu tentant là? C'est un back-to-back, c'est la revanche d'hier. C'est la revanche d'hier. Donc forcément, quand tu t'es fait humilier à domicile, tu vas revenir un petit peu le couteau entre les dents. Mais là, souvent, il faut trouver le bon équilibre entre la réalité sportive et la cote. On est là pour ça aussi. Moi, la cote de 2,60, elle me tente. Et elle me tente tellement que je pense que je vais la tenter. Ouais, mais c'est tentant. 2,60, les Clippers à domicile, c'est quand même surprenant. Même sans Kawhi, même sans Harden. Westbrook hier qui nous sort un truc de malade. Terrence Mann fait le taf de fou depuis 3-4 matchs, il a plus de 15 points. Zubac les a démontés. Ouais. Vous avez raison. Mais c'est vrai que tu as raison que l'écart de cote est assez phénoménal. Écoute,
C'est compliqué. Et le fait qu'ils soient joués hier, c'est à la fois, il y a de l'orgueil d'un côté, mais les autres, ils ont quand même envie. Enfin, tu vois, il y a tout qui se mélange. En vrai, c'est très, très difficile sur cette fin de saison de trouver les bonnes cotes et les bons paris. Ouais, les bêtes sont dures pour ça en ce moment. Mais c'est là aussi où il y a peut-être des coups intéressants à faire. Et en vous creusant un petit peu la tête, vous pouvez peut-être tomber sur deux, trois trucs sympas. Bref, voilà, ça c'était pour le point sur le play-in. On voulait en parler parce que bah, ça excite un petit peu tout le monde. Mais ce qui excite aussi les gens, et bah, c'est la course à la première place dans cette conférence Ouest. On en parle, c'est dans le Big Game. Le big game du soir est absolument monumental. C'est notre troisième thème dans Clutch aujourd'hui. Nous allons parler de ce Denver-Minnesota qui nous attend dans la soirée, qu'on suivra sur Bein si vous le voulez, ou ailleurs si vous en avez envie. Ce match entre les équipes qui sont pour l'instant numéro 1 et numéro 2 dans la conférence Ouest, avec OKC qui est juste une petite victoire derrière. On peut d'ailleurs commencer à regarder les résultats de ces équipes qui jouent pour cette première place hier soir. Tout le monde a gagné. Minnesota a battu Washington avec un Anthony Edwards incroyable. Denver a battu Utah tranquillement. Et OKC a donc galéré, mais a fini par s'imposer face aux Kings. Tout le monde a gagné. Du coup, ça ne bouge pas. Du coup, on se retrouve avec ces équipes Denver et Minnesota égalité. Et OKC, une victoire derrière. Bon, le big game de ce soir, ça donne quoi? Bah Denver, Minnesota, c'est à Denver. Car Anthony Towns est de retour, mais ne joue pas ce soir. Ne jouera pas ce soir. Naz Reid ne joue pas. J'ai cru voir. Tu me diras, Rémi, tu vas me confirmer ça. Pour moi, les Nuggets peuvent faire l'énorme coup de cette fin de saison, finir premier, Penardos. Donc, d'après moi, l'expérience, Jamal Murray est revenu, très important, bien sûr. Ils sont en train de tac, là, prendre le boost juste avant les playoffs. Pour moi, c'est victoire de Nuggets ce soir. Ok. Vraiment. Victoire de Nuggets pour Tom. Ce serait une énorme surprise qu'ils perdent à domicile. Bah, le fait que ça soit à Denver, moi, je rejoins Thomas là-dessus aussi aujourd'hui, décidément. Je vais envie de voir Denver, mais je suis content de voir les Wolves. On se souvient ici, quand Karl Anthony Towns s'est pété il y a quelques semaines, on s'est dit, on s'est posé la question, est-ce qu'ils peuvent encore rêver de la première place? Ah, bah, ce soir, ils peuvent encore en rêver. Ils peuvent aller la chercher. Ils peuvent aller la chercher, t'as raison. Et donc, après. Pour moi, si Anthony Edwards est en feu comme il l'a été hier, parce qu'il sortait d'une période un petit peu cata avec des pourcentages vilains, il y a Rudy, mine de rien. C'est toujours intéressant de voir Rudy face à Jokic. On sait qu'il est souvent en souffrance, comme beaucoup de pivots NBA. Mais comme Rudy, avec son statut de meilleur défenseur de la Ligue, et futur certainement aussi DPOY, ben, il y a toujours un regard intentionné. Je pense que Rudy, là, il va peut-être aussi vouloir se montrer face à Jokic. Après, je pense que Denver reste une meilleure équipe. En plus, ils sont un peu plus au complet que ce que peut être, que ce que peut être les Wolves. Maintenant, je vais aller sur Denver pour la sécurité. Faut voir j'ai pas vu la cote de Minnesota, mais pour les plus aventureux, on peut peut-être essayer de prendre la cote. Mais moi, j'irai sur Denver, sur le côté safe. Les voici, les cotes R1. Denver est largement favori à domicile, 1,42 contre 2,70 pour les Timberwolves. Je suis pas sûr pour Naz Reid, Tom. Il s'est pris une flagrante 2 hier. Il s'est fait éjecter du match contre Washington. Mais a priori, pas d'indication sur le fait qu'il joue pas ce soir. Okay. Si vous en avez une dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. Moi, j'ai pas vu ça. Vous savez, comme ils sont tous en back-to-back pour l'instant, les injury reports sont pas tombés. Très relou de faire la JDE d'ailleurs. Ouais, parce qu'il peut y avoir plein de mecs absents finalement. On verra si on s'en sort ou pas. J'avais une équipe, j'ai dû la changer à cause des back-to-back, tout ça, des questions. C'est comme j'ai plus le droit à l'erreur. Un peu compliqué. Bah, l'intervenu, Erwan, en plus, c'est pas le moment de se planter. C'est demain, quand vous aurez utilisé vos wildcards, qu'on pourra payer les musiciens. On en parlera à ce moment-là. Dans le chat, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que Denver à domicile ce soir bat Minnesota? J'imagine que la plupart d'entre vous vont me dire oui. Mais je serais curieux d'avoir les arguments de ceux qui me disent non. Est-ce que, de toute façon, Denver nous l'avait dit dès le début, Thomas, hein, ils nous avaient dit, ils l'ont déclaré dans la presse, qu'ils veulent cette première place. Absolument. Objectif première place. Ils se sont donné les moyens aussi de valider par des derniers matchs à domicile comme celui-ci avec des grosses affiches cette première place. Ce serait un drôle de. Enfin, en vrai, il n'y aurait pas beaucoup d'incidence sur la suite des playoffs. Mais quand tu es champion, quand tu as cruisé, on l'a dit mille fois ici, finir premier, ça doit être ton objectif. Sachant que si tu perds, tu peux chuter troisième. Tu vois, c'est pas seulement il y a quelqu'un qui passe au-dessus. C'est tes troisième et les autres ont la main pour te passer devant. Donc, moi j'ai envie de te dire qu'il n'y a aucune raison de douter de Denver. Vraiment, dans les gros matchs comme ça, ils connaissent le chemin. S'il y a une fin de match, ils ont absolument tous les atouts pour clôturer le game. Honnêtement, si Minnesota le fait, voilà, bravo les gars, ça exceptionnel. Une surprise, hein. Ouais, énorme surprise, bravo quoi. Ouais, ce serait une surprise, on est d'accord avec ça. Complètement. Ouais. Complètement. Évidemment. Les enjeux du match, tiens, puisque je vois que pour l'instant vous êtes en train de voter, d'ailleurs, je suis surpris, c'est hyper partagé. Ouais. Pour l'instant, il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que Minnesota peut le prendre ce match. Je vous enlève juste une seconde le sondage, attendez pour voter. Je voudrais qu'on regarde le classement, faire un peu le point sur les chiffres dans ce top 3, dans cette conférence Ouest. Ce qu'on vous répète depuis tout à l'heure, regardez, quand je vous dis que c'est ultra serré, Minnesota, Denver pour l'instant qui ont
le même bilan. Et juste une défaite en plus pour Ekessi. Et puis, il va y avoir des cas de figure chiant où là, il faudra sortir les calculatrices, mais on n'y est pas. Parce que vous savez que ce n'est pas le même tie-breaker si vous êtes deux équipes à égalité ou trois équipes à égalité. Tout à fait. Un peu relou. Mais on verra ça en temps voulu parce que là, les cas de figure, il y en a un milliard et on ne va pas se faire chier avec ça. Pendant ce temps-là, pendant que Denver et Minnesota s'affrontent ce soir dans le Big Game, il y aura donc la troisième équipe qui joue ce soir. Je vous affiche quand même les cotes, mais ça va vous faire sourire, j'imagine. Oklahoma City, qui est donc troisième, une défaite de plus que les deux autres, accueille San Antonio ce soir, sauf qu'évidemment San Antonio ne sera pas favori, vous vous en doutez. Voilà les cotes. Et Greg Popovich, attention pour le JDE ou pour autre chose, qui a déclaré hier qu'a priori Wemby devrait ne pas jouer ce soir. Ça explique la cote familique hein, pour le Thunder, même si j'aime bien l'idée que les Spurs jouent mieux sur ce mois d'avril, que Victor est fantastique sur ce mois d'avril et se rapproche entre guillemets, quasiment de start en triple-double sur le mois d'avril. Il est à plus de 7 passes, il régale. Ouais. Mais là, ce soir, je pense qu'il ne va pas jouer. Et que même si les Spurs se sont mis à gagner, ont pris goût à la victoire, j'ai l'impression aussi, ça se voit pas dans leur attitude générale. Mais là, ce soir, il ne faut absolument pas aller sur San Antonio, messieurs. Ouais. Non, clairement, sachant que San Antonio est un peu arbitre, hein, ils vont recevoir les Nuggets, c'est vendredi soir. Donc ils font partie des mecs qui peuvent avoir une petite influence dans cette fin de saison. Mais honnêtement, là, si Oklahoma, avec le gros match qu'ils ont fait contre Sacramento déjà à domicile, là, ils reçoivent San Antonio, ils vont leur rouler dessus, hein, clairement. Ça devrait être tranquille pour le Thunder. Avec ce que tu nous dis là, je n'avais pas fait gaffe à ça. Ça tend quand même à, pour répondre à la question quand même qu'on a posée dans cette thématique, oui. Ça tend à prouver que Denver, a priori, premier, la première place, c'est sur cette S'ils gagnent contre Minnesota, c'est pratiquement OK, parce qu'après, ils vont à San Antonio et ils vont à Memphis. Bon, normalement, c'est deux matchs, tu mets ça dans la poche, t'es peinard. Donc voilà, Denver qui se dirigerait quand même, a priori, vers cette première place à l'ouest, là, pour ceux d'entre vous qui en doutaient un peu. Et entre les deux derrière, si tant est que Denver gagne ce soir, comme on le pense, donc Minnesota ou Casey aurait le même bilan entre les deux, qui finirait deux, qui finirait Je vous donne, si vous voulez, vite fait, parce que eux, c'est les Timberwolves, c'est plus compliqué. Donc les Nuggets, ils reçoivent les Hawks et ils reçoivent les Phoenix Suns. Pour Minnesota. Okay. Et je vous donne la dernière équipe aussi, le Thunder. Ouais. Et vous voyez que là, c'est pour ça que finir premier, ce serait un authentique exploit pour nos amis de Minnesota. Là. Finir avec des mecs qui ont des trucs à jouer, des places, des machins et tout, ça va être compliqué. Les autres, le Thunder, ils finissent eux aussi, pas cadeau, mais tout à domicile. Ils finissent sur une série de 5 matchs à domicile. Ils reçoivent donc les Spurs, les Bucks et les Mavs. Ah, intéressant. Donc 2-3 complicado. Ouais, 2-3 complicado. Intéressant quand même. Ouais. Ce qui pourrait quand même vouloir dire, si Denver finit premier, qu'on pourrait avoir potentiellement, bah, vu ce qu'on disait tout à l'heure, un Denver Warriors par exemple. Ou Lakers. Lakers. Oh, la revanche de la finale de conf. Qui n'avait pas trop existé d'ailleurs. Dans les matchs, oui. Dans le score, non. Ils prennent pas 4 fois 30, quoi. Non, au contraire, que 4 money time. Ils ont pris 4-0, quoi. Il y a quand même un coup de balai. Voilà, en tout cas, cette course à l'ouest qui est évidemment passionnante pour cette fin de saison. Ça, c'est le big game. Mais il y a d'autres matchs ce soir à surveiller. On va regarder la Night Session. Vous êtes bon dans le chat. Alors, quatrième partie de clutch aujourd'hui, on va regarder un petit peu les matchs du soir dans la Night Session. Alors, on a déjà fait les gros matchs, mais il y en a encore des intéressants, et notamment un en particulier que je voulais vous proposer, les mecs, on va prendre le temps de s'arrêter un petit peu là-dessus. Hop, je vous affiche les codes, voilà. Miami qui accueille Dallas. Wow. Ce qui fut, à deux reprises d'ailleurs, une finale NBA entre ces deux équipes, qui n'est pas cadeau. Avec cette équipe de Dallas, cinquième aujourd'hui, mais qui peut encore espérer prendre la quatrième place aux Clippers, gagner l'avantage du terrain, pourquoi pas. Et surtout, Miami, qui joue sa vie à domicile en ce moment. Miami est huitième pour l'instant. S'ils peuvent prendre la septième place, voire la sixième place, ils peuvent encore y croire, et ben ils le feront. Qui sera favori ? C'est pas cadeau, ça. Hein. Moi, je dis Dallas. J'allais finir, puisque tu veux me couper la parole. Non, parce qu'apparemment, tu es en train de réfléchir. Je te laisse encore 20 minutes et puis tu reviendras vers l'heure. On n'a pas le droit de réfléchir. Moi, j'allais pour les mêmes raisons que tu allais évoquer. Moi, en ce moment, Luca Caris sont tellement exceptionnels. Et puis, si Jaden Kidd a la très bonne idée de réduire au maximum le temps de jeu de Maxi Kleber. Il joue beaucoup, ça va. Non, mais là, il est bon en ce moment. Moi, c'est bon, arrêtez. Tu tapes dessus, gros, arrête tes conneries. Il est bon en ce moment. Il met des flushs, il défend. C'est un super stretch 5 pour eux. Ah, bah, à un moment donné, je veux bien. Il apporte des bons. Maxi Kleber est bon. Ils se sont trouvés une line-up. Mais bon, t'as raison. Continue ton racisme anti-allemand de toute manière. Ah, bon, rien que ça. J'ai enchaîné avec une blague. J'adore Dennis Schroeder. J'adore Andrea Obst. Andreas. Obst. Après, tu connais pas les mecs. Mon frère jumeau.
Oui, tout à fait. C'est vrai que tu lui ressembles énormément. Pendant la Coupe du Monde, gros, c'est chaque incroyable. Match de l'Allemagne, j'avais 8 textos, mais t'as ton frère jumeau qui joue là ou Mais attends, j'avais jamais fait le lien, c'est incroyable. T'es un meilleur shooter que lui ou pas Je pense pas, non. J'aimerais bien. Je te confirme, c'est sûr que non. J'aimerais bien, mais je pense pas. Le gars, il est exceptionnel. Je vais réfléchir, mais je pense pas. Andreas Hops, OBST, pour ceux qui connaissent pas, allez taper. Oui, vous allez voir, il y a magnifique d'autres shooter. Trois similitudes. Qui nous a bien fumé à la Coupe du Monde. Enfin, qui a fumé tout le monde à la Coupe du oui. Monde. Oui. Bref, de quoi on parlait du coup Ah oui, c'est Miami Dallas, pardon, j'étais un petit peu perdu. Ouais, intéressant. Du coup, Dallas tous les deux, ouais. Ouais, moi j'ai envie de dire Dallas. Je regardais parce qu'hier, c'était un énorme match contre Atlanta, pardon, à Atlanta, avec deux prolongations et la victoire de Miami. Ils sont en train de faire leur petit coup habituel, là, ils sont en train de se mettre un petit peu en place. Habituel, et on a à un moment donné, c'est des habitudes. Il me regarde, il fait une moue. J'attends de voir. Vraiment. Mais on attend tous de voir. Mais voilà, ils font des gros matchs à l'extérieur, conférence Est. Bon, bah, s'ils vont en finale encore NBA, bah, on dira bravo. Et bah, tiens, ça m'intéresse. Regarde le commentaire de Will là, qui nous dit attention, Dallas cette année. C'est marrant parce qu'il y a. C'est Xav Vossur l'autre jour qui disait ça dans le SNL. Que s'il devait avoir une wild card, tu vois, sur quand on demande toujours les favoris, machin, truc et tout, il la donnerait à Dallas pour la forme du moment. Tu sais, toujours, si t'as un pic un peu foufou, il disait, bah, moi, ce serait Dallas cette année. Je trouve ça pas con. Est-ce que c'est pas le bon profil du truc, en fait, la bonne façon de résumer, vu la dynamique du moment, Luka qui est fort, tout a l'air de cliquer, ça défend enfin à l'intérieur, est-ce que tu te dirais pas que s'il y a une équipe qui sort un peu de la boîte là, des playoffs, ça pourrait être... Si autre... surprise il doit y avoir, ça serait eux. C'est ouais, ça un petit peu. L'idée. Moi j'ai envie d'y croire parce que déjà t'as Luka qui est une super méga star. Kyrie, c'est mon édito de demain dans le First Day Show, on a retrouvé Kyrie dans une maison dans laquelle il se sent bien, dans un rôle dans lequel il se sent bien, c'est-à-dire ben, comme il était à Cleveland avec LeBron, il y a un papa qui va s'occuper de tout, qui est le leader, qui va toujours être en avant, et puis lui, il aime bien être juste derrière, tu vois, voilà. C'est pas un commandant, c'est un général, et c'est là où il est le meilleur. On retrouve un Kyrie extraordinaire, fantastique, capable de prendre aussi le relais de Doncic, même si Doncic reste toujours le patron. Et puis on le dit, on l'a rappelé il y a quelques mois, en février, ils ont rempli les bonnes cases, ce que fait PJ Washington, bravo. Bravo, il est là, mon vrai stretch 4, mon vrai stretch 5 pour moi, à côté Dallas, à la place de Maxi Kleber. Il dit n'importe quoi, Erwan. Je ne sais pas si tu as remarqué, il aligne des mots, mais c'est pas ce qu'il raconte. Je le vois, je le connais trop. D'habitude, c'est plus vers 2-3 heures du matin. Ouais, PJ Washington, c'est pas bien ce qu'il fait. Ah, mais si, c'est très bien, mais gars, voilà. Tu me dis ça, c'est pas moi le coach. Hein. Non, mais lui, c'est des autres. Je suis pas fan des Dallas. Qu'ils soient champions, j'en dirais bravo. Peu importe. Donc moi, je trouve qu'ils ont. Maxi Kleber, ils détestent, je ne sais pas pourquoi. Ils ont ce profil-là, tu le sais pourquoi. Ils ont ce profil-là. Ils sont même capables défensivement d'envoyer quelques mecs un petit peu sur des missions. Pense à Derrick Jones Jr. Voilà, il est dans le dur un peu en ce moment. Enfin, pour moi, ils ont une profondeur. Le coaching, ça me paraît un peu compliqué. Mais pour moi, Luka fait partie de ces joueurs-là qui peuvent gagner sans un grand coach. Aïe. T'es pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Autant, la wildcard, je la donne. Je suis d'accord avec. On est sur une wildcard, on n'est pas sur mon favori. Mais moi, je pense que je donnerais aussi ma wildcard à Dallas. Hein, j'ai aucun souci avec ça. Mais je n'imagine pas du tout Jason Kidd affronter les séries de la conférence Ouest là, dès le premier tour. C'est un truc de malade. Enchaîner, bon choix, ajustement. Ouais, enfin, c'est quoi le mot du coup? Alors, plus dire. Ça doit être en allemand, c'est espagnol. Les ajustations tactiques au fur et à mesure des séries. Les ajustements, par contre, Thomas, vraiment. Je dis quoi? Les ajustations. Mais c'est n'importe quoi. Tiens, Ron, il a une démo, c'est pas Théo Dier. C'est pas que lui, il m'arrête tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Change de match, on s'en bat les couilles. Excuse-moi, mais tu t'appelles. Bref, donc vous avez. Dallas à fond, Dallas. Oui, Dallas, sur ce match-là. Non, ajustation, mais c'est les gens vont sur Dallas. Ajustation, c'est quand même particulier. Je confondais avec gestation d'éléphant qui dure 3 ans. Ça n'a rien à voir. Ça doit être ça. Sinon, je voulais vous proposer une belle cote ce soir, puisque les autres affiches n'en sont pas vraiment. Je voulais vous proposer de parier sur les Memphis Grizzlies ce soir qui jouent à Cleveland. C'est une belle cote à aller chercher à 9. Ils sont capables. Hein. Par contre, trêve de plaisanterie, c'est aussi tenter des coups par le moment. Non, prendre un peu des risques. On parle d'argent là. Non, Memphis, n'écoutez pas Erwan. Non, ne mettez pas 10 balles sur Memphis. On n'utilise pas son argent pour alors, faire. Je vais aller au bout de mon idée et puis chacun fera ce qu'il a envie. Memphis, cette année, ils ont surpris tout le monde en faisant des coups avec des équipes de briques et de brocs. Oh putain, par contre, si on se réveille demain matin qu'on voit que Memphis a gagné, je vais pas être content. Tu sais exactement. Je vais mettre mon téléphone dans mon avion directement. Tu sais exactement quel produit tu vas recevoir. Oui. Oui. On a deux trois trucs en stock. Bravo les gars. On s'échange assez régulièrement les mêmes. C'est un truc pour les aventuriers. C'est vrai qu'ils ont gagné contre les Bucks, on s'en souvient.
Oui, mais les Bucks, tout le monde les a battus. Washington les a battus. Et t'as raison. Ah, mais attends, c'était factuel. Après, la vérité, c'est que Cleveland n'est pas en forme en ce moment. Toute l'année, ils ont joué. Et toute l'année, ils ont joué avec un nombre de blessés incalculable. Je crois que c'est un record. Ils ont toujours été pas favoris dans leurs rencontres. Eux, ils s'en foutent. Hein. Ils arrivent, ils jouent leur match, que ça soit contre les favoris, des équipes qui jouent la draft ou quoi que ce soit. Ils s'en foutent. Eux, ils jouent leur basket. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà. Voilà, ça c'est exactement. Ça c'est Bran a raison. Ça c'est des cotes à 2 euros max. Il n'y a pas de 10 euros, je sais pas quoi. C'est les trucs plaisir. Voilà, les grosses cotes, exactement. Tout. J'entends voilà. L'idée. Et en deux tout cas, voilà le bon compromis. 1-0-4, voilà. Clairement, ne mettez pas Cleveland gagnant dans un combiné. Ça sert absolument à rien. N'allez pas faire cette bêtise là. Allez, on a fait le tour des matchs. On en vient au meilleur moment évidemment de l'émission Road to MVP. Il n'y a que la Zelle féminin qui a utilisé plus de joueurs. Que Memphis. Que Memphis cette année. 31 joueurs Memphis. Donc, et on pense à la Zelle féminine qui a eu un nombre de blessés cette année incalculable. 31 joueurs en effet utilisés par Memphis. Bref, en fin d'émission, vous savez, on joue au jeu de l'entraîneur avec les gars et on fait notre petit championnat tous les trois. Vous avez vos 85 millions de dollars pour acheter 5 joueurs. Et en fonction de leur stat réel, marquer des points, les meilleurs sont payés. Ça n'a pas été notre cas la semaine dernière, mais Erwan a bien utilisé sa wild card. Score doublé, il avait fait 130, ça fait 260. Erwan, bravo, ça a été bien joué, surtout qu'on n'a pas été bon avec Tom. Ouais, mais écoute, faut prendre ce que j'ai à prendre. Toi, tu fais 90 très bien, et puis pareil, toi, si je te grappille quelques points, là, j'en suis là, je suis dans des comptes d'apothicaire. C'était important pour moi d'utiliser la wildcard. Le mois dernier, j'avais été dramatique, Constance. C'est vrai. Du coup, bah, tu sais quoi, tout seigneur, tout honneur, tu as gagné la semaine dernière. Je te propose de commencer ton J2 cette semaine. Alors, je vais prendre Misic. Là, je l'ai aussi. Ah. Je sais que tu avais pris Westbrook, tu vois. Non. Je vais prendre Dejounte Murray. Dejounte Murray, c'est bien, on a deux mêmes joueurs. Toi aussi, t'as pris Dejounte Murray ? J'ai failli. Je prends Isaiah Joe du Thunder, qui est très bien en ce moment. J'aime beaucoup ce joueur. Un cœur fou, là, le joueur. Ouais, c'est un énorme shooter. Et là, depuis trois semaines, on le voit mettre des tomards de fou. Donc, Isaiah Joe qui prend des minutes, qui est très bien. Je prends Nikola Jokic. Face à Rudy, on sait en général qu'il fait gonfler les. Et puis il sait que c'est important pour la première place, il ne va pas faire semblant. Et je finis avec un mec qui va profiter de l'absence d'Antetokounmpo et que c'est toujours un vrai soldat, c'est Bobby Portis. Bobby. Pas mal, ok. Voilà l'équipe d'Erwan qui laisse 400 000 boules sur la table parce qu'il est comme ça, il est royal au Seigneur, bar. Seigneur, personnel. C'est pas mal. Bien. Je suis pas emballé des masques non plus, mais Isaiah c'est pas Joe, mal. Là, bon, je regarde un peu si t'as Isaiah Joe. Vas-y, je suis preneur également. Misic, ça fait des stats. Ça, oui, il est dans le 5, ça c'est valeur sûre maintenant. Il a un double double. Voilà. Si ça marche, eh ben, j'y vais. Du coup, moi, tu peux me garder quand même Misic et Jokic. La Serb Connection. Si Azadjo arrive un jour. Non, bon, c'est pas grave. J'ai regardé. Alors, moi, j'ai pris que des mecs qui taffent. J'ai pris Jimmy Butler, qui est exceptionnel en cette fin de saison. C'est dans son duel, la face à Dallas, on en parlait tout. Magnifique. Tout à fait. Je prends Kelly Olynyk, qui est sensationnel depuis quelques matchs. Les prix également. Ah, très bien. Et donc le dernier, c'est l'homme qui a pris 19 rebonds hier soir pour les Memphis Grizzlies. C'est Jordan Goodwin qui a pris 19 rebonds hier. Il a 14, 10, etc. etc. C'est quoi, c'est les stats d'Isaiah Joe ? Ouais, voilà, pour 8 millions, on rappelle. Hein. 10 points, 4 rebonds, 10 points, 3 assists, ouais. 10 points, 4 rebonds, 3 assists. On va pas se relever là. Okay. Kelly est out pour ce soir. Aïe, bah, allez. Non. Là, tant que ça n'a pas été validé en fin d'émission, il a le droit de le changer. Oui, bien sûr. Non, je suis dégoûté, c'était vraiment mon pic, c'était mon amour, c'était capitaine le mec, carrément. Je l'ai pris également, donc... Ah, tu m'étonnes qu'on va changer, je vais changer, du coup. Toi aussi, alors. Bah ouais, je t'ai dit. C'est pour ça que t'es magnanime comme ça. Ouais, tu l'as pris aussi. Non, on a toujours dit qu'avant la fin d'émission, Oui, même en général, on avait dit avant la soirée, si on voyait marquer out, il y a déjà 2-3 changements. En fait, ton équipe, moi j'en fais une nouvelle, j'essaie de réfléchir et tu pourras réfléchir. Je réfléchirai en live avec vous. Alors, mon équipe à moi, je vais pas commencer par le meneur, parce que c'est mon coup à moi, le meneur, et je veux pas vous le dévoiler pour l'instant. Je pars dans les ailes. Il a pris un mec à 13 euros à la main encore. Mais on sait tout ce qu'il sait par contre. Anthony Edwards dans les ailes. Ouais, bien. Puisqu'il le met ailier, enfin arrière en tout cas. À côté de lui, Paul George. J'ai hésité, tu vois, Butler, Paul George et Dejounte Murray, c'était mes trois pics. C'est bien. À l'intérieur, Paolo Banchero, qui fait beaucoup de stats en cette fin de saison. Et à la main, mon joli coup, bah, on en a parlé en tout début d'émission, ce bon pas de Bev. Tu sais que je voulais prendre un... C'est dommage que les rosters ne soient pas complètement à jour. J'avais un coup à faire avec Toronto, là, sur un joueur, j'ai oublié le nom, parce que... Parce que là, apparemment, toute l'équipe est out, on nous dit, hein. Quoi ? Toronto, il y a beaucoup de joueurs qui sont out. Bon, il y avait les habituels, hein, bien sûr, Scottie Barnes et tout ça, mais apparemment, il n'y a personne qui joue ce soir.
Ils vont retrouver Aaron Labotret, Rémi Réverchaud et Thomas Dufour dans le 5, ils vont rien comprendre. Alors, on nous conseille, j'ai failli le prendre, mais après j'ai changé, mais Pippen Junior, il est pas mal, très bon. Et bah tiens, ça tombe bien qu'on ait pris un peu de temps aujourd'hui pour le JDE, parce que comme ça, vous allez m'aider en live à faire mon JDE, tiens, sur la fin d'émission. Ah, bah mon dernier choix, ça peut être quelqu'un qui a été pris. Il me reste 12 millions, vous le voyez, hein, je vais le faire en live. Pas mal. 12,7 millions pour aller chercher à l'intérieur. J'ai Bobby Portis en option. Oh, un autre, il a déjà. Qui a déjà été pris, c'est vrai. Sandy Aldama, ça joue plus, Sandy Aldama, si? Ah bon, tu crois? Disons, parce que qu'est-ce que ça vaut? On peut réfléchir en live avec vous, hein, les gars, profitons-en pour une fois qu'on peut se faire ça. Vous voyez un peu notre process de réflexion. En temps normal, moi je regarde les blessés et tout, mais pour l'instant, ils annoncent pas tout là, donc c'est compliqué. Voilà, Freeman Liberty. Ah, c'est lui, Freeman Liberty. Il est pas dispo. Santi Aldama, ça joue pas. Il n'existe pas. Il est pas dispo. Avec son nom généré sur. J'ai PJ Washington, Brandon Clark. Qu'est-ce que ça joue, Brandon Clark, ce soir? Il a pas joué le. Crac, Kelly nous met dans la mousse là. J'avais une super équipe, j'étais content de prendre ma wildcard. Là, il m'a. Ouais, il y a Brandon Clark en option, allez, ou ce bon Gigi Jackson, qui fait toujours aussi. Ouais, Gigi Jackson, bon choix, hein, ça marche toujours. Chaque fois que tu l'as pris cette année, t'as jamais déçu. Pas récompensé, c'est vrai. Allez, je vais être fidèle en amour. Gigi Jackson sera mon cinquième intérieur. Je prends la photo, parce que je vais pas l'oublier comme ça. Hop, il faut que je me refasse mon JDE tout à l'heure. Alors attends, parce que là, il nous reste 4 minutes. Alors du coup, moi, dans le même délire, il me reste 14,6 millions. J'avais laissé 2 millions sur la table. Les joueurs qu'on me propose, les premiers joueurs, sont donc... Nasrid, bon ben voilà, Jeremy Sohan, Nick Richards. Bah c'est bien Nasrid, hein. Moi je l'ai pas vu out. Vous l'avez vu out? Dites-nous dans le chat si. Allez. Mamou des Spurs. Il y a pas Victor. Ah, pas Victor, c'est peut-être pas con, ouais, les gars. Il met des points, ça. Ah ouais, il taffe. Je prends Nasrid quand même dans le buton. Ouais, dites-nous. Ah, je suis dégoûté de mon histoire, là. Franchement, j'étais tellement content de le prendre. C'est confirmé qu'il devrait jouer Nasrid, normalement. Allez, vas-y, on va faire... Tu vas chez Nasrid? Ouais. Tu te refais une équipe et tu... Bah, c'est bon, j'ai juste à modifier, c'est bon, Nasrid, allez, vas-y. Je valide celle-ci, écoute, hein. Ah, la wildcard, elle est... Allez, Paris. C'est, messieurs, c'est quand même une soirée particulière. Alors, je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais vous savez que vous avez deux fans parisiens, un fan marseillais quand même sur le plateau. Hop, je vais juste prendre ma petite compo là, prévisionnelle du parc ce soir. Est tombé? Je voudrais connaître ce que l'équipe a prévu là. Ah, ok. On connaît qu'une heure avant l'officialisation. Ouais. Ce sera quoi le score ce soir? Alors, sache qu'on a tous fait à la rédac, là, on a tous parlé de ça. Moi, j'ai dit 2-1 Paris. J'ai dit 2-1 Paris, un but de Kylian. Voilà, on se chie un peu dessus comme toujours, mais on gagne 2-1. Ça m'irait très bien. Erwan, tu... Moi, j'inverse le score de Thomas. Quel enculé. Il avait dit 1 tout à l'heure en plus. Ah, t'avais dit 2, t'avais dit 2. C'est le jeu. Tu veux que je te montre ton prono de Benfica à Marseille? Ah, moi, je veux dire. Bah ouais. Ah, bah 3-0 Benfica. Oh, voilà. Bien enculé. C'est où, au Portugal? Ouais. Bah 3-0 Benfica et au retour 2-0 pour vous. C'est même plutôt Clément, j'ai l'impression. Ravière Clément. Très bon souvenir. Hein. Alors qui sera à droite d'ailleurs en défense finalement alors? Ah, ils vont mettre Marquinhos, non? Ils ont dit Marquinhos avec Danilo qui va jouer. Ah ouais? Non, Nuno à gauche et Lucas. Danilo, ils vont pas nous sortir un Zaïre Emery à droite en défense là comme ils ont déjà fait là? J'espère pas. Bon, on verra ce que Luis Enrique nous pond tout à l'heure. Vous avez compris que tu ça nous intéresse toi, un tu petit dis peu. Quoi, toi, tu nous as dit quoi? Ah, moi j'aurais. T'as vu les cotes comme elles sont hautes? Ouais. Oh, la vache. C'est tentant, évidemment. J'aurais bien aimé que Paris, là, ça tape un peu du poing sur la table, tu vois, comme on a su faire déjà par le passé face à Barcelone. Je m'emballe peut-être un peu, mais tu vois, envoyer un 3-1. Ça, c'est le score. Enfin, pas rêver, parce que 3-0, 4-0, c'est mieux, mais bon. Ouais, mais tu vas mener 1-0, 2-0, tu te prends un petit 2-1, tu en remets un troisième juste avant la fin du match, là, 3-1, t'es quand même un peu mieux déjà avant d'aller là-bas. Bah oui, non, mais oui. Tu vois la différence entre score rêvé, moi je. Non, mais score rêvé, je vois, oui, voilà. Septuplé de Kiki, et puis on est bien. C'est Bucarest. Non, bon, c'est une bonne équipe en face. En fait, on s'est rendu compte, là, en discutant tous ensemble, qu'on peut en parler pendant 2 heures, tactiquement, les coachs, les forces en présence et tout, on n'a aucune idée de la physionomie du match. Je ne sais pas du tout la bataille du milieu, le contrôle du ballon. Trop dur. Tellement. Trop dur. Et on a quand même une pensée au milieu de tout ça pour notre poteau à nous, parce que c'est un dacteur NBA, Jules Koundé en face. La famille. Grand amoureux de NBA, avec qui on a fait un milliard de trucs et qui est grave sympa. Et donc, on n'a jamais rien fait avec Jules Koundé, mais on sait qu'il nous aime bien. Enfin, j'espère. Mais si, Erwan, avec la NBA, on avait fait avec Aurélien et Jules Koundé, on avait fait un truc. Ah oui, c'est vrai. On était à Los Angeles, on avait fait une draft. Ah, ça va la vie. Ça va la vie. On était à Los Angeles avec Jules Koundé, on faisait une draft. Excuse-nous, Erwan. Plan de cul, le mec. C'est bon. Bah oui, plein de cul pour Los Angeles. Bon, merci la team, hein, désolé de nous avoir porté sur le basket, sur le foot. Un plan de cul qui est un grand chanteur français qui habite qui?
Francis Lalanne ? Non. Un grand, grand, peut-être le plus grand chanteur de variété. Jean-Jacques Goldman ? Jean-Jacques Goldman. Il est pendu. Voilà. Je donne son adresse en live. Le mec, il est peinard. On le voit jamais dans les médias depuis 20 ans. L'autre, il lâche son adresse. Ouais, ouais, c'est un tout le monde le sait. Et amour éternel pour Jean-Jacques, évidemment. On est sur Jean-Jacques Goldman ici. Moi, je suis plutôt Tim et Eddie Mitchell. Très bien, tu as le droit. C'est moi et moi, Beyoncé. Donc, le trio magique. Les vieilles canailles. Vous fatiguez. Allez, ciao la team. À mercredi prochain. Salut. Oh,